Chers amis, nous sommes ravis encore ce matin de nous adresser à vous et d'être donc sur ce plateau. Et donc nous allons commencer donc à présent et surtout vous souhaiter donc une très cordiale bienvenue à vous tous qui nous écoutez, vous toutes, vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez donc depuis toute cette semaine, le début de cette semaine. Bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement, en différé. Et donc, vous pouvez nous appeler donc, au 49 45 59 60 et nous répondrons donc à vos questions. N'hésitez pas. Et vous aussi qui nous suivez donc, sur les deux plateaux de Facebook et YouTube du Centre Média Adventiste, n'hésitez pas. Postez vos remarques, postez vos questions et nous répondrons donc à vos questions. Eh bien, je voudrais donc aussi par ce moyen donc adresser aussi une chaleureuse bienvenue à nos deux pasteurs qui sont avec nous ce matin. D'abord, le pasteur Patrice qui est juste à côté, dans les locaux d'à côté. Et bienvenue à toi, pasteur Patrice, et merci d'être là et pour ce temps précieux, hein, merveilleux que nous passons ensemble. Marulu merchote marulu pachari ate manate pepeya tata to to tapa habila tapati marulu mo pe ai paro mai tato e ya hamai te meti to ya tato te mana. Voilà, et ensuite nous avons donc notre pasteur Payette. Donc bienvenue à toi pasteur Payette, merci d'être là, merci d'avoir répondu donc à tous les deux, hein, à cet appel donc du Centre Média pour ce temps du partage de la parole de Dieu. Bonjour Georges et merci. Que Dieu nous accompagne dans ce partage de sa parole afin de pouvoir justement vivre une relation étroite avec lui. Merci, merci beaucoup. Donc à présent, nous allons commencer notre partage et passons la prière. Et donc je demande à notre pasteur Patrice de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Kia toa tumatumi tua Here Yehowa, te arone matuha maruru ia oe no te ieteme, no te horo mai oe, ieteme no te tota paparata awe parau, tumatu fatu, e te arone matu, tumatu piruita iarata ihia, i to e mana, e te ieteme urto te tota paparata, parahime o rito puya matu, horo mai oe tite e te marmama, no ni eta awe parau, narto ia ietume tiara. Amen. Amen. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés donc à cette nouvelle leçon pour nous aujourd'hui, donc les prières d'intercession de Paul. C'est ce que nous allons voir. Donc je vais demander, pardon, je vais donner un peu la parole à nos pasteurs, donc pasteur Mathieu d'abord, de nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier, un petit peu avant aussi, et une petite introduction pour nous ce matin. Merci beaucoup. Oui, concernant ce que nous voyons jusqu'à maintenant, c'est la prière d'intercession. Rappelons-nous que la prière d'intercession, c'est de prier pour que le Seigneur puisse intervenir dans la vie des autres, que ce soit une personne ou plusieurs personnes. C'est de penser de montrer à Dieu qu'on est, pour toute chose, on est dépendant de lui. Et même pour essayer de sauver une personne, on a besoin de lui aussi. Donc, cette dépendance nous pousse à la prière, et aussi c'est l'amour qui doit nous motiver à ce moment-là pour pouvoir prier pour quelqu'un et dire au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Chose extraordinaire, c'est que la prière d'intercession nous permet aussi de rentrer en contact toute spéciale avec notre Dieu, et ça nous permet d'avoir une relation étroite avec lui aussi. Ça permet de développer aussi un sentiment comme si... vraiment, on lui appartient et il est prêt à faire des choses extraordinaires à travers nous aussi et pour nous aussi. Et puissions-nous rappeler que Jésus est notre exemple. Jésus, non seulement il nous a montré comment prier et prier pour les autres, mais il nous dit aussi qu'il prie pour nous. Hein. Donc, on avait vu que dans Hébreux, que Jésus intercède pour nous, Hébreux chapitre 7, verset 25, il intercède en notre faveur encore aujourd'hui, même s'il est au ciel.
Donc ça montre par là que nous avons un sauveur mais, et un Seigneur aussi qui est prêt à intervenir puissamment dans notre vie et dans toutes les vies des personnes que, pour qui on prie aussi parce qu'on les aime et on veut les sauver aussi. Merci, merci beaucoup, Pasteur Payette, hein, pour ce résumé et cette introduction que nous allons, nous avons donc, pardon, pour cette nouvelle leçon que nous avons. Merci donc, Pasteur Payette. Pasteur Patrice, un résumé, est-ce que tu peux nous faire un résumé donc de ce que nous avons vu depuis lundi et aussi une petite introduction pour cette journée. Merci. Et tara ba yata to inel to pe chwan hor ar to te hupe to ma no ni te pure yare ya e pare pure yare me manat ona me puwai ona e e iruto te ye fan hora ya pure ne tatu no hoit ata e no up ya te fighti to a hoit ata ya parpar na ona torto ona to mai e nen he pe ya pure he no ra to me te tatara ya pure no na tra pure yare ya I fote i tata ia whanginit o ia nar to tono ra a, hamano tato ia i tu wa, or to tiora lau i tu te vera huatra atir atona i te atu, o tmo te me ato tono mi tu wa, e na mo ne hamata i tana minister to me tuan hora, te whahiti i ara i nei ke ur to me tabira tapte, te pure ne ona no teni i ate me te mana no umai te atuara, no umai te me tuara. E te dia te me wahoro te atua te me te whanu o mei te i ruto i ana, ruto tana tua hipapa e jaro nei ia, e no te rea i ruto te whanho a, ruto te tua, no te paro no te pure ra, pariro te pure, nene ona whaura hoi tata, e nene te ona i arata i te tata i a i tu mei te ara. Ok, merci, merci beaucoup donc les pasteurs. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc les prières d'intercession de Paul. Eh bien, j'aimerais vous lire une des prières d'intercession donc qui se trouve dans notre manuel d'école du sabbat. Alors la prière d'intercession se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 21. Donc je vais la lire cette prière. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qui réserve à ses saints, pardon, aux saints, et quelle est, pardon, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les cieux, dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Eh bien, chers amis, donc pasteur, hein, commençons par pasteur Payette, hein, donc quelles sont les demandes spécifiques, hein, donc de Paul? Dans cette prière, il y a plusieurs demandes hein, qui sont formulées par l'apôtre Paul. Et bon, il est bon de nous attarder un petit peu sur ces demandes-là et peut-être les comparer avec nos demandes aussi à nous lorsque nous prions. Hein. Voilà, merci beaucoup, pasteur Payette. Oui, concernant cette prière, c'est une prière justement d'intercession de Paul, où Paul justement intercède et parle et précise. En fin de compte, la chose extraordinaire, c'est que Paul dit ce qu'il est en train de, à haute voix en quelque sorte, ce qu'il est en train de faire comme prière pour les personnes qui l'entendront à travers ses écrits. Et c'est là qu'il n'hésite pas à montrer comment il prie. Il prie pour le bien-être de ces personnes-là. Il montre qu'il s'intéresse à cette église, il s'intéresse aux personnes de cette église, de cet endroit.
On parle des Éphésiens, n'oublions pas que Éphèse était une des grandes mégapoles de l'Antiquité. Il y avait, on comptait à l'époque plus ou moins plus de 200 000 habitants. 200 000 habitants, c'est beaucoup, hein, pour l'époque, je parle bien, hein. Là, il y avait de tout, comme j'avais dit cette semaine. Il y avait aussi l'un des plus grands temples de l'histoire. C'est le temple de Diane ou d'Artémis. C'est la même personne, que ce soit grec ou ça change avec les Romains. Mais quel qu'il en soit, il y avait toutes sortes de choses, de croyances. Et il y avait la femme qui était mise en valeur aussi, juste en passant. C'est pour cela que des fois, Paul préférait de dire aux églises que les femmes dans l'église, dans cet endroit-là, dans cette situation, il est préférable de ne pas prendre la parole dans l'église pour éviter de choquer les gens qui ont l'habitude de voir des prêtresses en dehors dans les autres religions. Donc, c'était juste pour ça, hein, mais au contraire, les femmes ont leur place à parler et parler bien dans les autres églises aussi. Donc, il faut le mettre dans son contexte. Et ce contexte-là, justement, faisait que Paul voyait qu'il y avait un grand combat spirituel. Il y avait vraiment de quoi être tenté par tout ce qu'on offre, ce que le monde offre. Et Paul intercède et dit, vraiment, vous avez une foi extraordinaire. Et les encourage en quelque sorte. Hein. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Ça veut dire, les saints ici, c'est les membres d'église entre eux. Donc, il n'a pas dit que c'était une église parfaite, mais quand même, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour rechercher l'unité surtout. Et c'est là qu'il va parler que avec ça, il prie pour quelque chose, pour qu'ils aient quelque chose et que ça grandisse. Il parle d'avoir la sagesse et le discernement spirituel pour justement avoir l'esprit clair, l'esprit qui recherche la vérité divine et l'espérance de la vie éternelle. Donc, il y a encore d'autres choses que je vais laisser pour Pasteur Patrice. Mais sinon, ici Oui. déjà, c'est très important de voir que Paul est en train de prier et il dit, moi, je veux que la sagesse grandisse encore chez vous et que vous ayez justement ce discernement de pouvoir faire trancher les choses parce que c'est difficile de vivre dans une grande ville. Mais vous y arrivez à faire la différence. Et je vous encourage. Il va même parler de certains petits détails qui régissaient, qu'on voyait dans l'Église à cette époque. Mais on voit déjà que Paul encourage. Paul n'est pas là pour taper dessus, mais quand on intercède pour quelqu'un, c'est de vouloir le meilleur. Après, bien sûr, ça ne défend pas dans l'intercession de dire, ben, Seigneur, je reconnais qu'il y a certaines petites choses qu'il faut enlever, ben, interviens pour enlever. Mais on ne condamne pas la personne pour ça dans notre intercession, mais on emmène la personne à prendre conscience qu'il y a possibilité de changer et de s'améliorer. Ok, merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Payette, hein, donc pasteur Patrice, hein, dans ce texte-là, donc pasteur Mathieu, donc a parlé de sagesse, de discernement, hein, pour que Dieu donc nous éclaire dans la vérité. Mais que dire donc de cette espérance, hein, de la vie éternelle dont parle Paul, hein, Paul donc dans cette puissante prière d'intercession, hein. Donc voilà, cette espérance, pasteur Patrice, merci. Tene, i roto fo te whan hora mi te whahiti hiarai, toro mi toa, te tara ia tato ia hio na tato te niu mau roto te mei whan hora ta pouro hina rotra ia te niu ra, no tra te aturi a no te rong ore. Te tara ia tato ine roto te whan hora ta pouro i whahiti te mea te tari te ono e whetia. Ia no ai a rato te paari, ia no ai a rato ia hamaramama hi rato to rato piruri a teri a teme. E no tere ia ia hio na tato ine, wa i hio pouro no te prawhaite tora te tari te ano e whetia. E ike hoa tato roto te whanhora, ia roto chapira tapati, ia hoi na me tato roto te Filipi, pene hoa ire wa toru e haru taru mahoe, te tara ia tato ine, te pinepine rao pouro pro, te ini rao roto tau pure. No te ano, te prawhaite tora me te tari te atrato, tra propo ia no te mo pia sam e ndrawa tatu ta e oromito praura e te whahiki rona te mo mero e tari te atoa tene o whahiro hi e tatu te mo pia moa ko te ria teme tene iruto tra mo prau whahiti hiara ine
no te horo te pari e woi te ho pa o pauro roto me te pan hora te ere na te haritia no efetia te pari ur te harato e te aro atu te mo te whaamar mamar a yarato no nye te pan hora no te promoto e no te ria ine naro me o poro whaia whaaniu te ye te aturi rato rato nye te parau no te te aturi rato no te parau no te orom leore e ta hoa ya tato to te mo pan hora apa e ta kapita tapa te horo mai nei e ya horo na ho e oro metua ut mo pe a patero te taritia o e pro paiti tor ar to pra miro e taritia e ike ho ai te itu tor to pra miro e taritia e pro ho rato maru oro metua no te pule da ta horo mai no te paiti tor e mato e no te ria i nei ta pouro e fahitira o to tana pure ya ike ye pa tra fofa o tana na o te metia rato tana i taritia e rato tra fofa horo hi o maira tene e mai te pai te tariki o te trafo wa tai ta fulu horo rerto te tariki no efetia no teria ia no tato pa to yariro o tato mite e mi apouro e mi te tariki no efetia. Merci beaucoup donc pasteur Patrice hein, pour cette ces explications que tu nous donnes hein. Ensuite pasteur Payet toujours dans cette prière d'intercession de Paul hein. Donc il y a un autre point donc Paul voudrait qu'ils connaissent l'action de la puissance de Dieu dans leur vie hein, et tellement il y a de puissance dans ce Dieu qu'il a pu ressusciter Jésus d'entre les morts hein, donc voilà hein, c'est et donc une lueur d'espoir aussi pour nous hein, donc pasteur Patrice pasteur Payet donc à peu près le dernier point hein, merci beaucoup. Tout à fait, il y a le fait que pour eux, ils doivent être un modèle pour toutes les personnes qui se réunissent à Éphèse. On trouvait de toutes les nationalités à Éphèse, de toutes personnalités aussi. Ben, beaucoup de gens venaient à Éphèse pour faire du business, pour faire beaucoup de choses. Et quand Paul écrit à Éphèse, il adapte aussi, bien sûr, sa prière et même sa lettre à ce qu'ils sont en train de vivre, les saints là-bas, à Éphèse. Sachant que en les rappelant que Jésus est venu pour mourir pas que pour les Juifs, il est venu pour mourir pour toute la création, il a réconcilié la création, comme il dit dans son épître, hein. Il a réconcilié la création avec lui par l'intermédiaire de son Fils. Et c'est là que dans cet épître, il va rappeler que c'est Jésus qui est le chef de l'Église, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui est la pierre angulaire de l'Église, mais aussi de la vie de l'Église surtout. Et il est notre sauveur, notre maître, et on doit vraiment se concentrer sur la personne de Jésus pour non seulement être unis les uns vers les autres, mais pour être un modèle aussi, et de pouvoir attirer les gens à se connecter à Jésus. Donc le fait de savoir aussi que Paul prie pour eux, ça devait vraiment les enthousiasmer. Tout à fait. Ça devait vraiment les réconforter. Ils ne se sentaient pas seuls en réalité. Paul est resté quand même quelque temps à Éphèse, mais en même temps, quand Paul est parti, ça a dû faire un petit peu un petit vide, enfin, ou bien un grand vide. Mais là, Paul leur montre qu'il ne les a pas oubliés. Il prie, il intercède pour chaque jour. Et c'est un exemple pour nous aussi. Nous devons faire la même chose, que ce soit des pasteurs qui doivent intercéder pour ses membres, mais aussi les membres doivent intercéder les uns pour les autres et même pour leurs pasteurs aussi. Merci. D'ailleurs, il y a une église qui, cette semaine, intercède pour une famille de pasteurs, n'est-ce pas, pasteur Payet? Voilà, donc merci Seigneur hein, pour ces initiatives. Hein, voilà. Donc, eh bien, pasteur Patrice, hein, donc, pour terminer sur ce texte-là, nous voyons la puissance hein, que Paul voudrait vraiment qu'on n'oublie pas, hein, que les Philippiens n'oublient pas donc, la puissance qu'a Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. La preuve, il a ressuscité Jésus des morts. Hein, donc, voilà. Comment faire pour que nous n'oublions pas que nous avons cette toute-puissance à notre disposition, disposée donc à nous secourir. Merci, pasteur Patrice. Tenez, mitra va t'attirer votre parole, te parole peut-être votre mère ou une erreur toute pure. Te ya
Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Hein, c'est un point important. Hein. Une église où règne l'amour, eh bien, nos invités, nos visiteurs aiment à y rester et à y revenir. Hein, mais là où règne la discorde, eh bien, ça existe partout. Donc, pourquoi reviendrais-je à un endroit que, voilà, j'ai pas cet amour, j'ai pas ce lien que je peux avoir donc avec les membres d'église, mes frères et sœurs et mon Dieu. Hein. Donc, pasteur Payette, tu avais des informations complémentaires par rapport donc aux Philippiens. Merci beaucoup. Voilà, avant de passer aux Philippiens, je vais revenir sur les Éphésiens. Éphésiens, pardon. Alors, justement, concernant l'église d'Éphèse, il y a dans Actes chapitre 20, verset 31, on nous dit qu'il est resté quand même 3 années là-bas. Hein? Acte 20, chapitre 20, verset 31, on nous dit qu'il est quand même resté 3 années. Il avait prévenu un petit peu alors qu'il allait quitter Éphèse. Il a dit, bon, ben, maintenant je m'en vais, mais je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et tout, etc. Verset 29, 30. Et verset 31, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, il a intercédé, il a écouté, il était à côté des personnes, de chaque personne. Et en même temps, en étant à côté de chaque personne, il priait pour ces personnes-là. Donc, et avec larmes même, ça veut dire qu'il partageait les sentiments qu'il ressentait et les ressentiments qu'ils avaient aussi. Et Paul était à leur niveau. Donc, on voit que la prière d'intercession peut avoir différentes facettes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester à distance, on peut être près de la personne et avec la personne, main dans la main, prier aussi. Bien sûr, quand il s'agit de rencontrer, comme on dit, le pasteur doit faire bien sûr attention, même dans des prières d'intercession, par contre. Quand il s'agit d'un homme en face de nous, on peut prendre la main, on peut serrer la main, prier et tout. Mais si on doit rencontrer une femme très tard le soir et qu'on prend sa main, il n'y a personne autour de nous, on serre sa main,
Des fois, c'est plus la prière d'intercession Mmh. qui prône, qui va aller. Il y aura d'autres idées qui vont venir, qui vont s'entremêler. On risque d'avoir des petits soucis comme il y en a déjà eu dans le monde, hein? Et ici et là. Donc ici, il faut faire attention. Et on peut même, pour les pasteurs, envoyer sa femme pour prier pour une autre femme, avec d'autres femmes, etc. Et entre frères et sœurs, nous pouvons prier main dans la main aussi et pleurer ensemble, aller de l'avant. C'est ce que Paul voulait en fin de compte pour Éphèse. D'ailleurs, quand il écrit le livre d'Éphèse, il va encourager à faire prendre conscience aux Éphésiens et même à nous aujourd'hui, qu'il faut vivre une vie qui vraiment reflète l'image de Jésus-Christ. C'est être en Christ, il va dire. Et être en Christ, ce n'est pas seulement être le meilleur, c'est surtout au contraire s'humilier et être tolérant envers certaines difficultés d'autres personnes, se mettre à leur niveau. Et surtout, quand on arrive dans l'Église, c'est de se dire, on a besoin des uns des autres. On ne vient pas à l'Église pour discuter ou bien pour disputer, ou bien pour créer la division, la discorde ou autre, mais on est là pour s'entraider, prier les uns pour les autres, pour s'encourager. Et c'est comme ça qu'il pouvait faire la grande différence entre le christianisme et toutes les autres religions, et surtout la religion de Diane, qui remplissait tous les recoins de Éphèse. Donc, aujourd'hui aussi, nous avons plusieurs religions, plusieurs croyances, et dans même le christianisme, il y a plusieurs dénominations. Ce que Dieu attend du vrai chrétien, c'est de ressembler à Jésus-Christ et pour son Église, qu'à l'intérieur, chacun s'efforce à mettre Dieu en avant, Jésus-Christ. Ok, merci. Merci, Pasteur Payette. Alors, je ne vais pas te quitter parce qu'en fait, Pasteur Patrice a parlé beaucoup des Éphésiens. Hein, donc, non, Philippiens, pardon. Philippiens 1, verset 9 à 11. Hein, donc, par rapport à cet amour donc, qui devrait régner. Hein, alors, je vais lire hein, le texte. Hein, Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que, donc, premièrement, que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Deuxièmement, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables dans le jour pour le jour donc de Christ. Donc c'était la troisième. Et enfin, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc voilà un petit peu les prières, à quoi ressemblaient les prières de Paul, hein, pouvons-nous dire davantage donc par rapport à cette prière de Paul de Éphésiens, pasteur Payette. Merci. Les Philippiens. Philippiens. C'est vrai que pour les Philippiens, l'encouragement de Paul se basait sur le fait d'aller toujours de l'avant et de ne pas perdre courage. Parce qu'à Philippe, d'ailleurs, lui-même, il était dans les chaînes à ce moment-là, à Rome. Et c'est là que lui-même, souffrant et voyant qu'à Philippe, il a vécu aussi des choses un peu spéciales. Hein. Il était poursuivi à ce moment-là, quand il passait à Philippe. Quand il est passé, il a commencé à évangéliser à Philippe et tout. Il était poursuivi par des juifs du judaïsme qui ne l'aimaient pas du tout. Et donc, les Philippiens étaient très amour envers lui pour le protéger, pour le conseiller à fuir la nuit des fois, etc., etc. Donc, il a vraiment aimé ces personnes-là. Il aime tout le monde, bien sûr, mais il a plus précisément, il explique dans sa prière d'intercession que vraiment, il demande dans ses prières que Dieu augmente encore cet amour. Déjà, il faisait des choses extraordinaires, mais il montre par là que on ne doit jamais être satisfait. On doit aller toujours de l'avant parce qu'on peut toujours faire mieux. Et là, il va encourager à aller de l'avant, même s'il passe par des moments difficiles, même s'il y a des juifs qui veulent créer des problèmes avec les chrétiens, à Philippe aussi particulièrement. Là, il dit, accrochez-vous, soyez un exemple et restez un modèle. D'ailleurs, l'une des plus belles phrases quand on veut rechercher de ressembler à Jésus-Christ, ça se trouve dans Philippiens, hein. Il va dire dans chapitre 2, verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
Et on se dépouille soi-même, on pense plus à nous, on pense à sauver les autres. Et Paul était vraiment touché par ce qu'il faisait et ce qu'ils ont fait avec lui et pour lui quand il était passé là-bas. Une autre chose aussi, c'est qu'on regarde la fin de Philippe, des Philippiens. On va au verset 21, chapitre 4, verset 21 de Philippiens. On va dire, c'est bien au verset 19 même. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints, c'est-à-dire tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Une fois qu'on avait abordé ce sujet-là, qu'on a abordé le thème de Philippe, le livre de Philippe, de Philippiens. Et on parle que même il y avait des personnes que Dieu a permis, que des membres d'église, que Dieu a permis qu'ils travaillent, même dans la maison de César, hein, être un modèle à ce moment-là. C'est ça. Et eux-mêmes, ils saluent. Eux-mêmes, ils sont en train de. Ils doivent gérer beaucoup de choses, mais ils n'oublient pas de saluer les Philippiens et de voir combien c'est un modèle à Philippe là-bas et qu'ils doivent continuer comme cela. Donc, on voit la prière d'intercession ici que. On ne doit pas ça seulement dire, waouh, je prie pour un frère, pour un tel, il est extraordinaire, Seigneur, merci de l'avoir donné tout ce don-là, il est exceptionnel. Et on s'arrête là. Non, il faut continuer à dire, ben, Seigneur, fais qu'il ou elle puisse continuer à grandir dans ce domaine et toujours donner de faire de son mieux et faire des choses encore plus extraordinaires chaque jour ou chaque semaine qui passe. Donc, on doit toujours continuer à prier. On ne prie pas une fois pour toutes pour quelqu'un, on continue à prier pour cette personne qu'on aime. Ok, merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Payette, hein? Donc, pasteur Patrice, est-ce que tu aurais quelque chose à dire en dernier, peut-être pour cette lettre de Paul aux Philippiens, ou bien un autre exemple de prière, pardon, de Paul vers un autre groupe de personnes. Merci beaucoup. Tene hirto ho tarato whan hor a hirto te tuatapopat a i a rato tumo pure a toa pouro koe no te paite tu tumo i taritia. E taho i a tato rato pra e pit ta pouro hor o nei te vera hoa te pra hoa ona whahiki hoa ona te prau no i e tumitia. E pinipine hoa ona hare hoa ona nana haamo te imbra i taritia e pinipine ono e tomo hoa ona rato tra pra i taritia no te whaiti tu ra e te pure no pouro o pouro te no te praitaritia. E tātou hoa ia tātou, te tau i orahi a tātou te taritia no Whiripi, te orotahi a e tātou tātou. Te vera hoa te temo mero i taritia o te taritia, ai te rato i marmaramara o te whanhaora. E ia poron e mo praporon e o meo pouro o te tra i taritia, te vera hoa tra porou whaituto. Fai tutora, édifiant, mais prenez le tout triomphani, et plus encouragement de la Bible. Et pinipine hoa pouro, et le honnêtement prouvatoire, taille tout y fahiti. Pinipine hoa y mon pouro, et le honnêtement prou, ta prouvatoire, noté fai tutora titaritia. Il tout fanhor a tarato euranei. Te fai tout me tetau au Pinipine, tetau au pouro. Ya nenhet ot pra orometua un pra patre ot taritia ya hapumet oratot mo pro nortu mo pro asertua no ti faiti tora ti taritia si harno mo won nanya no mo no de pro no pro faiti tora ti tebra e vosro e ele ho avo mituto tua na hia pe te pro e tano e hartu irotot mo mero e taritia ya hapoi na hia te pro faiti tora i fot o me ne tuitot ortot pro asertua tene ya he he na ta tu pro wa te tu pro mai ho te tu te tu tu te ta tu no te ara te ida te nuna te mero i tari kia i pishot awa o ye tu metia e no te ria ine me avro na ia ta yo tu pro a pouro wa e i te ho a oer tu fan hora e pro pro ho a pouro i tari kia no mea no te i tari kia no tite e tero atu hoe heina me tau ni pro no te tari kia no efetia o tu te apuntura po a apuntura po pene piti te fahiti rehi ara pai tra pro e pro we wo faru e we o e rpa mata mo to hiri mata mo tene te faha para ia o ye tu i te tarite no efetia tra tau e te tra tra i tarike no efetia
Voilà, merci, merci. Donc, pasteur Patrice, hein, par rapport donc à cette prière, rappelle hein, que cette prière de Paul, donc Paul et les autres disciples aussi, donc prenez donc leur source, hein, allez chercher dans la parole de Dieu et de épuiser donc dans la parole de Dieu la force pour pouvoir et eh bien encourager aussi les membres d'église de différentes régions. Hein. Donc maintenant, nous allons venir donc sur cette prière d'intercession. Je me souviens qu'une fois, dans ma maladie que j'avais à ce moment-là, eh bien, j'ai demandé une chaîne de prière à mon église de Maranatha et je vous assure le bienfait. On a toujours prié pour les autres, on a toujours intercédé auprès du Père donc pour les autres et sachant que eh bien, les frères et sœurs, et pas seulement de Maranatha, mais donc de ceux qui nous connaissaient en tous les cas, eh bien, priez donc en ma faveur, eh bien, intercédez auprès du Père. Je vous assure qu'on a déjà un grand pas vers la guérison. Hein. Eh bien, tout le bien que nous pouvons recevoir de ces prières. Donc, les pasteurs, qu'est-ce qu'on ressent donc, quand quelqu'un ou une communauté prie pour nous et avez-vous des témoignages, hein, donc, soit des témoignages personnels, ou bien des témoignages des personnes que vous côtoyez. Hein, merci. Donc, sachant que des personnes prient pour nous, hein, donc pasteur Payet d'abord et ensuite pasteur Patrice. Oui, on ne peut pas dire qu'on va rester insensible. Ça fait quelque chose toujours de savoir que quelqu'un est en train de prier pour nous. Et des fois même, il y a des jeunes qui disent « Ah, pasteur, j'ai prié pour toi. » Ou bien un enfant qui vient qui dit « Pasteur, tous les matins, je prie pour toi. » On ne peut pas rester insensible à ça. On se dit « Waouh, il y a quand même de tous les âges qui prient pour nous. » Et ça fait quelque chose. Et des fois, même quand ça arrive des moments un peu difficiles, compliqués, où on demande expressément à certains membres de prier pour nous, et quand on voit la réalisation, ben, on est vraiment touché. Et là, on ne peut pas rester sans rien dire. On se sent poussé par l'esprit, je crois, de pouvoir encourager les membres et de pouvoir aussi leur montrer que oh, ben voilà, les effets de leur prière dans notre vie, ben, dans notre ministère et autres. Moi, c'est vrai que je me rappelle une fois l'église a souri, mais en réalité, je voulais être sérieux, mais ils croyaient que je plaisantais. Mais je me rappelle que quand il y a eu à l'île de la Réunion, il y a eu le chikungunya, je leur avais dit, et tout le monde commençait à voir, toutes mes églises ont eu, c'est la plupart, j'avais deux grandes églises. Et tout le monde commençait à voir. Je leur ai dit, priez pour que votre pasteur n'ait pas, afin qu'il puisse vous visiter. C'est ça. Alors, j'ai une église la plus grande, tout le monde a eu, hein, 99 poissons, il n'y avait que moi qui n'avais pas eu. Alors, quand je suis venu le sabbat suivant, j'ai dit, ben, vraiment, je vous félicite parce que finalement, vous avez tellement bien prié que moi, je n'ai pas eu. Et peut-être c'est moi qui n'a pas assez prié pour vous parce que vous tous, vous avez eu. Donc, mais en réalité, ça fait plaisir dans un sens parce que quand même, j'ai pu visiter tous les membres à ce moment-là, les encourager, prier avec eux, voir leur, bien sûr, leur souffrance aussi, partager leur souffrance. Mais en même temps, ben, je les ai remerciés tous hein, parce que ben, peut-être Dieu a voulu ainsi, que ce n'est pas moi qui ai fait le coup de lumière pour pouvoir les visiter. Mais quel qu'il en soit, ça fait quelque chose. Moi, ce que surtout j'aime bien, je sais qu'ici, par exemple, il y a toujours, quand on se connecte, il y a toujours des petits-enfants qui disent « Ah, pasteur, on a prié pour toi. Ah, pasteur, ceci, cela. » Que ce soit à Tchopo, que ce soit bon, ben, tout le secteur. Hein. Mais on voit que les enfants, ben, ils prient pour le pasteur et ça fait quelque chose. Si les enfants prient pour le pasteur, ça veut dire que les parents aussi prient aussi. C'est ça. Et ça fait quelque chose. On ne peut pas rester insensible à cela. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Donc, c'est sûr que quand un enfant te dit « j'ai prié pour ta pasteur »,
La moindre des choses, c'est de prier pour l'enfant aussi, hein, et même avec l'enfant. Tout à fait. Et c'est ça qui crée un lien étroit entre frères et sœurs, entre membres et pasteurs, entre et différentes, même les personnes du dehors, notre entourage, les intéressés et nous-mêmes. Ça crée un lien très fort lorsque on dit à l'autre, je prie pour toi ou bien je pense à toi, etc. Il faut le faire. Et ça change aussi, ça encourage dans le ministère, dans le travail qu'on fait. Bien, merci. Merci beaucoup, pasteur Payette, hein, donc pasteur Patrice, hein, de savoir que des personnes prient pour nous, ou bien est-ce que vous avez des témoignages de personnes pour qui on a prié et ils ont témoigné ce que ça a fait dans leur vie, hein, l'impact dans leur vie ou bien l'impact dans votre vie à vous, pasteur Oui. Patrice. Promouvoir, tu verras, ou à tes tarités, tu pourrais ne pas tout, nous t'aurons tout, au remis-toi. Et il retourne à ce panneau-là, il y a quelqu'un à ta tour, tu verras, ou à tes témoins, meilleur, et tout pour voir, le retour à ce panneau-là. Et tu témoins, tu mets, au remis-toi, tu pourrais ne pas nous t'aurons tout après, le fait de te marier, vraiment, tu vois, pour lui, et t'as tout, et pourrais, tu t'y tarités. Tu n'y a pourrais ne pas tout, tu t'y tarités. Et il voit tantôt, tu verras voir où est ta vie. Et il te voit où est Huru, et il te voit où est Huru, tu verras voir mais tu verras voir si tu es prêt, et tu vois les phares, et il y a, tu te vois voir ta tête, tu vois le retour, tu vois là. Tu n'es, nous te mettons, nous te remettons, et il y a, on ne te pourrait pas, mon prêt, mais il t'a dit. Il y a, on ne te pourrait pas, ton, tu as fait à toi. Aïtien, pour notre auto, on met tout, aïtien, et ta voyage, et nous, on met quoi, il te purple, le tchoura. Notre yaya, témoignage, Payette, prouve-le, tu t'es monté, mes frères, n'a pas de mari, n'a pas été un homme, et puis mes passeurs, 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 et tu vois, oui, tu t'es monté, mais et Romain, je suis là, tu as un prouve, tu es venu après, n'a pas de maillot, et passeur, j'ai prié pour toi, mon prouve, Romain, toi, tu n'es pas un prouve, ma oui, au moins, et ta mari, tu es pour les mener notre râteau, Romain, toi, ouais, t'as tout, promets toi, ouais, et pour être au tâton, à ton mari. Et pour ton poulet, on a ton bras, ton mari, et notaire, notaire, t'es pour y a tato, y a terre tato, y a taille tato, n'y a la fan hora, tihoro yamai. Et il était à tout Mohammed et à nommer à toi, naway et tout les bras de mari, hein, naway, la théâtre à hoa. Théâtre, il était à ton bras, il était à un bras, au mito à toi, et me hoa, et harme hoa à toi. Notaire, marouille, théâtre, notre bras de mari, hein. Voilà, on peut remercier le Seigneur pour nos enfants hein, qui ont eu donc cet exemple des parents qui prient pour les pasteurs, pour les responsables d'église et pour chaque membre d'église. Hein. Donc merci les parents pour cet exemple que vous donnez donc à vos enfants et à leur tour eux aussi ils prient donc pour les pasteurs. Hein. Donc merci pour cet bel exemple que vous donnez donc à vos enfants. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur Philippiens, pasteur Matthieu. Hein. Philippiens chapitre 1, versets 6 à 8. Donc, je vais lire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, parce que je vous porte dans mon cœur, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Waouh! Donc voilà un guide spirituel, voilà un apôtre, donc un pasteur, un responsable qui chérit donc ses membres aujourd'hui. Donc je suis mal placé pour te poser la question parce que bon ben dans le sens où voilà, qu'on puisse pas voir l'orgueil dans vos réponses, hein, mais vraiment cette humilité-là. Donc, est-ce que vous chérissez les membres d'église? Est-ce que vous chérissez les membres de la famille de Dieu, les pasteurs? Donc, pasteur Payette d'abord. Je vais répondre.
Cela, comme j'ai répondu cette semaine à une personne, il y a des personnes qui disent des fois quand ils entrent dans l'église, quand elles entrent dans l'église, que c'est, on dirait qu'il y a quand même, ça a changé, il y a un manque, on dirait qu'il y a un certain manque d'amour entre certains membres et tout, etc. Et à moi de rappeler que des fois, ils sont découragés de voir que on a certaines attitudes dans l'église qui est peut-être pire que les païens à l'extérieur. Hein. Et avant de répondre, ben, c'est écrit dans la Bible, hein, il n'y a jamais eu d'église parfaite. Et même à un certain moment, Paul dit ben, aux Corinthiens que même on trouve des choses chez vous qu'on ne trouve même pas dans le monde. Catastrophique, c'est, vous faites des bêtises pas possibles que même le monde n'a même pas imaginé, vous, en tant que chrétien, vous avez imaginé à faire. Donc on voit que des fois dans l'église, l'Église n'est pas parfaite en soi parce qu'il y a des êtres humains imparfaits, mais l'Église elle-même, dans sa façon de présenter la vérité qu'elle présente reste parfaite. Et sinon, ici aussi, on voit que des fois, on dit, bon, ben voilà, s'il manque de l'amour, des fois, ceci, cela. Et moi, je rappelle une chose importante, hein. La chose importante, c'est de que en réalité, eux, ils voient ça, mais nous, pasteurs, qu'on passe devant. Nous, pasteurs, qu'on connaît la vie de chaque membre. C'est nous les premiers à vouloir quitter l'Église, en réalité, hein, comme Paul. Ça devrait être nous, le premier à vouloir quitter l'Église, parce qu'on dit, waouh, c'est qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai des bons, j'ai des méchants, j'ai des pires, j'étais pas possible. Qu'est-ce que je fais là? On pourrait se poser cette question-là, mais en réalité, pourquoi on reste? Parce que on sait que Dieu est mort sur la croix pour chacune de ces personnes et pour moi aussi. Moi, peut-être, je suis prêt à dire un tel est comme ça, mais moi aussi, j'ai mes défauts, j'ai aussi des choses à rectifier ou améliorer dans ma vie. Et c'est parce qu'on doit avoir ce sentiment que Jésus avait envers moi et envers chacun de nous, ben que moi aussi, je dois développer ce sentiment pour l'Église. Et c'est une responsabilité pour nous. Lorsqu'on a accepté l'appel du Christ, surtout lorsqu'on est pasteur ou ancien même d'église, c'est de vouloir exercer, amener les gens à suivre le bon chemin dans la douceur et l'amour. Et des fois, s'il faut prendre le bâton du berger, on prend le bâton. Et après, s'il faut récupérer avec l'alouette, on prend l'alouette. Mais tout ça avec dans un esprit de vouloir sauver, La de houlette. vouloir gagner. La La houlette. louette et oui, la louette et le bâton. Et donc, mais le bâton, souvent, on préfère utiliser ce qui rapproche sans te frapper. Et des fois, spirituellement, il faut donner un petit coup, hein? Il faut choquer un peu, d'accord? Et là, c'est là. La houlette, c'est cette partie où justement on approche l'animal près de soi pour caresser en quelque sorte. C'est la Ça, on aime honte, ça, c'est voilà. facile. Hein, la houlette, tout le temps, on voudrait avoir que la houlette, mais pas le bâton. Mais c'est collé avec le bâton, hein, c'est un ensemble. Donc la houlette et le bâton est utile. Et souvent, quand le pasteur utilise le bâton, ben, tout de suite on dit, ah, c'est un mauvais pasteur. Non, c'est que on sait des fois quand il faut utiliser aussi. Peut-être qu'on n'utilise pas assez prudemment, ça arrive. Il faut prier le Seigneur pour qu'on utilise encore avec plus d'amour. Mais quel qu'il en soit, on reste là. Pourquoi? Parce qu'on voit que toute l'Église doit être sauvée. Et on veut être avec cette Église-là au ciel. Parce que ce n'est pas mon Église en réalité, c'est l'Église de Dieu. Et si je ne fais pas mon travail en tant qu'ancien ou en tant que pasteur, de toute façon, Dieu a d'autres, hein, d'autres pasteurs, d'autres anciens, et parce que c'est son église, c'est pas mon église. Je dois être tout simplement être un instrument entre ses mains. Donc, Paul, on voit qu'il a compris cela, et nous aussi, on essaie bien sûr de prendre l'exemple sur Paul, hein, et sur Jésus-Christ, essayer de faire de notre mieux pour aimer tout le monde, et même apprendre à supporter avec amour tout le monde aussi. Et ce n'est pas toujours évident, bien sûr.
Ok, merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Payette, hein, donc pasteur Patrice, hein, donc la houlette d'un côté, donc c'est la once là-haut, donc pour récupérer les brebis qui se sont égarées, et le bâton à l'autre extrémité. Donc, on utilise les deux en même temps. Et comment montrer à nos membres, même si parfois on utilise le bâton, comment montrer à nos membres que nous les aimons de cet amour? Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Patrice.
aya o falwe ne phayer to te ye o bine pa ya to te ye ya ma to por por a pasteur min tuito o harato et te fai tuito ne lando marulo. OK, merci, merci beaucoup. Donc les pasteurs, hein, le temps imparti donc touche à sa fin. J'aimerais donc faire un petit tour de table avec les deux pasteurs, ce qui n'a peut-être pas été bien développé, ou bien sinon juste votre mot de la fin. Donc on commence par pasteur Payette. Merci beaucoup, pasteur. Oui, bon, juste pour dire que justement Paul rappelle que notre citoyenneté, c'est une citoyenneté du ciel, et nous devons nous préparer pour cela. Et pour préparer le ciel, nous devons vivre en tant qu'exemple sur la terre, montrer aux gens que nous attendons quelque chose de meilleur. Et c'est pour cela qu'il est écrit particulièrement aux Éphésiens, hein, d'aller toujours de l'avant. On est d'une société céleste, mais pas de cette société terrestre. Et bientôt, Jésus reviendra et il faut aller de l'avant. Et il encourage même à tout faire par Jésus-Christ et en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein, Philippiens, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a fort dans toutes les circonstances. Ce que je souhaite pour chacun de nous. Merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Payette, pasteur Patrice, dernière pensée ou le mot de la fin. Merci beaucoup. Peut-être on me rend preuve, mais t'as choisi, il retourne à ta nouvelle amarrure preuve à ta toi et vous remettez des oranges. Mais ta pauvre voix, pas ici là, pas été pour une, été pour une ou une autre mot italique à toi et marrure aura été italique à te pour une autre à ton mot qui a fait OK, merci, merci beaucoup donc les pasteurs, merci beaucoup donc à vous aussi pour de nous avoir suivis durant ce partage de la parole de Dieu. Et merci Seigneur pour ce temps précieux que tu nous as donné. Et bien, nous vous donnons rendez-vous demain, toujours à la même heure, donc de 10h à 11h, et nous allons donc quitter donc avec la prière de pasteur Payette. Allez, au revoir. Prions ensemble. Notre Père Céleste, remercie pour ce moment où tu nous as permis de pouvoir partager ta parole. Aide-nous toujours à développer cet amour les uns vers les autres et de pouvoir passer du temps à prier les uns pour les autres, afin que nous puissions montrer aux personnes autour de nous combien tu agis puissamment et que tu es prêt à intervenir dans la vie de toute personne qui se connecte à toi. Je te prie pour que nous puissions montrer aux gens que et aux personnes qui nous entourent, que nous attendons ton retour et nous ne voudrions pas monter au ciel tout seul, mais avec toute personne qui se trouve autour de nous. Pour cela, remplis-nous toujours de ton Saint-Esprit et bénis-nous dans tout ce que nous faisons. Aide-nous toujours à rester en relation étroite avec ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen.